712 pour Furnon. Et il y reste encore du beau monde avec Gina Gogian et Galieva qui va débuter. Cette petite Galieva que nous avons connue et qui s'appelle Rokalia désormais. C'est elle qui a changé de prénom, la Russe. Ah, je ne sais pas, je n'ai pas été renseigné, mais ça est possible. Elle est très jolie, très fine. Entendu. Et là, c'est manqué. Ah, la vrille a été un peu loupée. Je me demande même si son petit pied n'a pas mordu la bande blanche. Oui, cette barrière corps carpé, ça c'était joli par contre. Moins bien que Ludivine, oui. Je vous l'affirme. Oui, cela laissera un petit moment de sursis. Troisième place. Moins bien que Ludivine Furnon, qui pour l'instant est en troisième position. Donc la Russe Galieva pouvait être une concurrente redoutable pour la médaille de bronze. Malgré ce double salto tendu, très enlevé, elle n'obtiendra vraisemblablement pas mieux que 9712. Je le pense, mais n'oublions pas qu'il y a aussi dans cette finale une Chinoise.